demander. Adèle ? Oui ? Mais ça fait une heure qu'on t'attend, tout le monde est déjà parti. Moi aussi, je suis contente de te voir, Six. Non, il y a tout le monde qui nous attend là. J'ai pas le temps de t'asseoir. Tu devrais donner des nouvelles plus souvent. On s'attendait pas à te voir. J'espère que tu t'habilles pas comme ça à Bordeaux. Ferme-moi cette chemise. Je suis tellement trop contente que tu sois rentrée, Adèle. Elle est trop mignonne, moi aussi je suis contente. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas retrouvés tous ensemble, ça fait vraiment plaisir. Ouais, on va pouvoir faire tout comme avant. Enfin, presque. Ça regarde pas. Oh, mais j'adore que... Oh non. T'aimes pas Adèle. Mais non, mais c'est sûr. Mais non, mais il est trop beau. Tu sais quoi, tu devrais faire le même ici, là. Oh ben, tu la vois avec toi. Adèle, quand tu n'es pas venue à la maison depuis longtemps, à toi l'honneur de dire les bénédicités. Non, merci, je préfère pas. Ce n'était pas une question. Je peux le dire, moi. Et puis, ça fait longtemps que ça n'a pas été mon tour. Bénissez-nous, Seigneur. Bénissez ce repas et ceux qui l'ont préparé. Merci de nous avoir permis de passer les fêtes ensemble. Prenons ce repas dans la joie et la communion. Amen. 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 Oh, c'est comment ta vie à Bordeaux ? Bah écoute, c'est super. En plus d'avoir trouvé ma voie, j'ai rencontré quelqu'un il y a 6 mois. C'est vrai ? Il a quel âge ? T'as des photos ? Quelle bonne nouvelle ! Il travaille dans quoi ? Vous allez vous marier ? Nous marier ? Maman, je couche avec, je compte pas l'épouser. Dans les liens sacrés du mariage, nous ne rencontrerons aucun de tes compagnons. Mais moi, je veux bien le voir. Maman, je préfère coucher avec qui je veux en essayant de trouver le bon plutôt que me marier trop vite, le regretter et me faire tromper au bout de 2 ans. Excuse-moi, mais regarde le mariage de papa et maman. Il est très heureux et ils ont toujours été honnêtes l'un envers l'autre. Tu as raison, Sixtine. Ils sont sûrement très honnêtes. D'ailleurs, maman, si papa te trompait, et qu'il te l'aurait dit, bien sûr, parce qu'il est tellement honnête, tu ferais quoi ? Adèle, arrête. T'es lourde. Ça fait pratiquement un an qu'on t'a pas vue, tu rentres ? Et t'es pas capable de faire un effort. C'est des retrouvailles. Le repas dans la joie et la communion, ça dit rien à personne, ça. D'ailleurs, papa, la chorale, ça se passe bien ? Oui, toujours une bonne ambiance. Et les petites filles que tu fais chanter, elles sont aussi dociles que moi ?
Elle aussi, tu les regardes se déshabiller, tu leur fais des chatouilles. Tu leur dis que ce sera votre petit secret. Et toi, tu continues de fermer les yeux ou tu vas ouvrir ta gueule un jour? Chérie, t'es devenue complètement folle. Qu'est-ce qui te prend? Tu reviens et tu te dis que tu vas détruire toute la famille pendant le repas, que ce sera amusant? Ouais. Je suis venue pour foutre la merde. Tu pourras jamais comprendre si c'est pas dans ta chambre qu'il allait quand t'étais petite. Ça suffit maintenant, Adèle! Mon père, c'est pas un homme bien. C'est un monstre. Et vous êtes tous des hypocrites. Vous vous cachez derrière des valeurs, mais... Tu crois vraiment en Dieu, maman? Tu penses qu'il te pardonnera? Witness to say, I'd like to see.